parle d'Argo, on a souvent la mauvaise conception que c'est un véhicule qui est uniquement destiné à la chasse et la pêche. Nos essais nous ont vraiment prouvé le contraire. Le Aurora 850 SX est définitivement une machine qui est versatile. On parle d'un 8x8 avec des 9 pouces beadlock, des pneus de 25 pouces Argo, un moteur Briggs & Stratton de 33 forces qui donne un ensemble qui est super le fun à travailler. L'essentiel avec un Argo, c'est de comprendre que ça va partout. On peut aller dans de la vase, on peut se promener dans des terrains un peu plus rocailleux et lorsqu'on s'en va sur l'eau, c'est vraiment plaisant à utiliser. On a vraiment la sensation d'être dans un petit bateau. Le Aurora 850 SX vient dans différentes versions, dont la version Huntmaster qui est équipée justement pour la chasse et la pêche. Mais le modèle qu'on a à l'essai est un véhicule qui est vraiment fait pour le travail. Un accessoire qui est très plaisant à utiliser chez Argo est entre autres leur kit de chenilles. Le véhicule a une garde au sol de 10 pouces standard. Lorsqu'on va lui appliquer le kit de chenille, on va le poser, ça va lui donner un pouce supplémentaire et on va aller chercher vraiment une traction supplémentaire dans des situations plus hasardeuses, entre autres dans la neige et la vase. Donc, c'est une option qui est à considérer. Aussi, une chose qui est à voir lorsqu'on prévoit l'achat de ce type de véhicule-là, c'est un véhicule qui a une consommation d'essence beaucoup plus grande qu'un VTT. C'est sûr qu'avec 8 roues et le fait qu'on se promène constamment en tirant sur les différentes chaînes et les différents embrayages, fait que le moteur est beaucoup plus mis à contribution. 33 forces, c'est quand même un bon moteur pour ce type de véhicule-là. Les équipements de base sont vraiment tout là. On a jusqu'à une pompe de cale que lorsque l'eau a trop pénétré à l'intérieur, on peut la sortir du véhicule parce qu'il est vraiment fait de façon étanche. Donc, en ce qui me concerne, le test est très concluant.